Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ça? Je savais. Ce soir, ils vont bien manger. Bon, là, j'en ai marre de lire des livres depuis tout à l'heure. Je fais que lire. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'ennuie, moi. Ah, j'ai une trop bonne idée. Je vais demander à papa et maman si je peux leur préparer à manger. Parce que tout le temps, ils disent « c'est demain », ils promettent. Mais après, ils ne le font pas. Allez, maintenant, je vais aller leur dire que je dois faire à manger. Ce soir. C'est pas possible, ce rideau, là. Je sais pas comment le raccrocher. Oui, ma chérie. Est-ce que ce soir, je peux faire à manger? Attends, je tombe pas. De quoi? Je peux vous faire à manger ce soir des œufs à la coque. Je sais pas, demande à maman si elle a pas déjà préparé le repas. Si elle a pas préparé le repas, pourquoi pas? Ouais. Maman? Oui? T'as déjà préparé le repas? Ou pas encore? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que papa, il m'a dit que je peux ce soir préparer des œufs à la coque pour vous à un repas. Tu sais les faire? Oui. Papa, il t'a bien appris la dernière fois. Papa, il m'a appris. D'accord, ben vas-y. Moi, ça m'a ouais. Trop repas. Bien. Ben, tu fais pour toi et ta sœur. Et pour vous? Vous allez pas manger? Si, si, vas-y, fais pour nous aussi. Ouais, je vais tout préparer. Alors, maman, elle a dit oui? Oui. Ouais, c'est vrai, l'autre, je l'ai cassé. Ouais, la petite poule pour les œufs de la coque. C'est pas grave. Ils ont une terre. Ouais, ce que vous aviez fait. Ouais, attends, là-bas. Je vais vous passer tout ça. Et elle est où, Cam-Cam? Cam-Cam, elle joue dans sa chambre au Playmobil. Ah, d'accord. Allez, c'est parti. Ouais, il y en a d'autres, regarde. Il y en a deux. C'est Cam-Cam et Masmas qui les avaient fabriqués dans un atelier poterie. Coucou Cam-Cam, ça va? Ouais. Masmas, ce soir, elle va faire des œufs à la coque. Ouais. Pour tout ouais. le monde. Pour tout toi, monde. Papa, maman, pour tout le monde. Moi, je veux lui. D'accord. Allez. Bon, ben, on va te laisser faire. Et tu sais comment faire? Oui. Si t'as besoin de conseils, tu me demandes. D'accord. C'est moi l'expert des œufs à la coque. Allez. Allez, c'est parti. Bon, en attendant, je vais prendre un bon petit thé. Eh oui. Oh, c'est bien, Masmas. Masmas, c'est comme ça? Si tu peux nous faire les repas tous les soirs, ça c'est bien. Génial. Et voilà, maintenant ça va chauffer. Je vais préparer les œufs. D'accord, parce que je vais pas réussir. Ouais. Si j'en casse. Il te faut combien? 4? Oui, 4, parce qu'on est 4. C'est trop voilà. bien. Merci de m'avoir laissé manger. J'espère qu'ils vont prendre la poudre que j'ai mis dans le placard. Regarde, maman, j'ai trouvé ça pour mettre le quatrième. Ben, c'est F. Même si à la bougie, c'est pas grave. On va le mettre comme c'est ça très, et très bien. En plus, c'est magnifique. Joli. C'est très joli. Attends, la signée, je vais vous faire une fleur avec un œuf. Bon, allez, c'est parti, les amis. Vu qu'on a mis le chronomètre un petit peu en retard, on va faire que 3 minutes à la place de 3 minutes 30. Ouais. Allez, c'est parti. Allez. Il faut que tu on attend ça avec impatience. On a fait. Je vais préparer les assiettes pour chacun. Ce soir, ils vont bien manger. Et voilà, j'ai fait un bon travail. Bon, allez, on va faire tout doucement. Et Cam-Cam, je vais prendre le cumin et le sel. Alors... Le cumin, ça doit peut-être être ça. Et le sel, il est là. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, je vais mettre
d'organiser. Camilla commence par manger. Je vais mettre le sel et le cumin, d'accord? Tiens, Camilla, je te mets un petit peu de cumin. Voilà. Un tu peu de papa et maman. Attends, je vais mettre le pain et après je mets le sel et vous pourrez manger. Hop. Maman, viens, oui. C'est prêt. J'arrive. Allez, viens. Ça donne envie déjà. Allez, c'est pas. Il est où celui de papa? Je l'ai fait tomber et il m'a dit c'est pas grave, il va pas manger, il va se faire un sandwich tout seul. D'accord. Allez, c'est parti. Bismillah. Bon appétit. Bismillah. Allez. Vas-y. Bismillah. J'adore les ailes à la coque. Dans pas longtemps, vous allez voir, vous allez entendre crier. Ça leur apprendra ces moustiques de malheur. Ma soeur, là, c'est imbécile, cette grande mouche. Ça lui apprendra. Et le grand Radin aussi. Oh, je vais arriver, là, ils vont tous dormir. Vous allez voir. Qu'est-ce que là, Cam-Cam? Qu'est-ce qu'il y a? Camilla! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Cam-Cam! Je me sens. A few moments later. Eh oh! Asma! Ils ont même pas mangé leur œuf. À peine. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Eh oh! Eh oh, ça va pas? Cam-Cam! Cam-Cam! Eh, mais c'est quoi qui... Pourtant, c'est du cumin! Du cumin, ils ont mis quoi? Du cumin, du sel? Oh, les amis, j'ai un sérieux problème, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a un grand, grand problème. J'espère que c'est pas encore une grande bêtise de qui vous savez. Vous la connaissant, j'espère que c'est pas une grande bêtise de... Je le sens mal, je sens que c'est une grande bêtise. Comment je fais? Est-ce que vous avez quelque chose, une astuce pour réveiller? Parce que là, elle dort, mais c'est pas normal qu'elle soit endormie tous les trois comme ça. En mangeant en plus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je... Ah là, les amis, je sais pas quoi faire du tout. Je sais pas quoi faire du tout. Je suis vraiment perdu. J'entends plus de bruit. Je sais d'avance ce qu'il y a. Et voilà. Il est où le grand Aladdin? J'ai raté mon coup. Regardez-moi ça. Ah le grand Aladdin, t'as vu? Je t'ai pas eu à toi. T'as de la chance. Mais la prochaine fois, je vais t'avoir. Mais maintenant, il y a tes trois imbéciles là qui dorment. Ils doivent dormir pendant longtemps. Regarde-moi ça. Je savais. Elle est contente. Ah, il faut trouver la solution maintenant. Eh oui, espèce de serpent. Eh oui. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas voir. Eh, réveille-les très vite, tu vas voir. Tu vas le payer. Je te jure que tu vas le payer. Écoute-moi bien. J'ai pas peur. J'ai pas du tout peur. Eh oui, le grand Aladdin. Ah, toi, par contre, tu dois avoir peur. Parce que je crois qu'il y en a, ils vont pas se réveiller. Comme Cendrillon. Tata Habiboucha, je savais. Elle va le payer. Je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que j'aille voir l'enchanteur ou je sais pas. Je sais pas qui. Il faut que quelqu'un y m'aide. S'il y en a qui peuvent m'aider, me dire une solution, trouver une solution et me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi le. Parce que là, c'est catastrophique, les amis. Je sais pas quoi faire. À cause de toujours la même. Elle va le payer, vous allez voir. Dans le prochain épisode, je vais réveiller les filles et on va se venger. Je vais trouver la solution pour réveiller
les filles et on va se venger. Elle va le payer, elle va voir. C'est comme Cendrillon, ils vont dormir pendant 100 ans. Comme ça, je serai tranquille, je pourrai regarder ce que je veux avec mes cheveux. Et voilà. Qu'est-ce que je vais être bien. Pas de petit moustique pour dormir à côté de moi et me déranger. Je vais avoir la place que pour moi. Je vais enlever toutes ces bêtises-là comme ça et je vais les mettre dans le jardin ou sur la terrasse là-haut pour qu'ils dorment beaucoup, beaucoup. Allez, à bientôt les amis. Comme ça, je vais récupérer la... Ah mais non, il y a le grand Nadine encore. Je vais trouver une solution pour le grand Nadine et après, comme ça, j'ai la chaîne, j'ai la maison et j'ai tout. Allez, bye bye.